Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Melly Crush. Alors aujourd'hui, nous allons confectionner ensemble cet adorable petit dragon au crochet. Donc alors, pour réaliser donc ce dragon au crochet, j'ai utilisé donc de la catiapec bleu et orange. J'ai utilisé un crochet 2 mm, une paire d'yeux de sécurité de 10 mm, à nos marqueurs, aiguilles, paire de ciseaux, et on va avoir également besoin de nos épingles et de la ouate de rembourrage. Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo comme d'habitude, et on va commencer tout de suite le dragon parce que là aujourd'hui on a quand même pas mal de travail. Donc alors on va commencer par la tête. Donc alors on va prendre le fil bleu, hop. Et là, donc ok, c'est dans le bon sens. Et c'est parti pour faire le dragon. Donc alors, pour la tête, donc on prend le fil bleu. On va faire un cercle magique. Voilà. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. Une. 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le rang 2, on va faire nos 6 augmentations. Donc on n'oublie pas les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la prochaine maille. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 7e maille. À la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Le rang 9, on va faire 6 fois au total, 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 8e maille. Donc à la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Le rang 10, on va faire 6 fois au total, 8 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 9e maille. À la fin du rang 10, on a 60 mailles serrées. Le rang 11, on va faire 6 fois au total, 9 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 10e maille. Donc à la fin du rang 11, on a 66 mailles serrées. Le rang 12, le dernier rang d'augmentation. Mais à un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête quand même. Donc le rang 12, on va faire 6 fois au total, 10 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 11e maille. Voilà, donc à la fin du rang 12, on a donc 72 mailles serrées. Donc là, c'était le dernier rang d'augmentation. Donc maintenant, on va travailler tout droit. Donc on va faire nos 72 mailles normalement, donc plus d'augmentation, du rang 13 au rang 26. D'accord? Donc là, vous travaillez tout droit, normalement, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent, du rang 13 au rang 26. Donc je vous laisse travailler jusque là et on se retrouve après pour la suite de la tête. Donc on est arrivé à la fin du rang 26. Donc on va installer nos yeux de sécurité. Hop.
Voilà. Donc les yeux de sécurité, hop là, on va les installer entre les rangs 19 et 20. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ça va être entre les deux là. Donc on en installe un. Et on va installer le deuxième espacé de 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on installe l'œil dans la 12e maille. Voilà. On met les bagues. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux diminutions. Donc alors, pour le rang 27, on va faire 6 fois au total, 10 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 27, on a 66 mailles serrées. Le rang 28, on va faire 6 fois au total, 9 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 28, on a 60 mailles serrées. Le rang 29, on va faire 6 fois au total, 8 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 29, on a 54 mailles serrées. Le rang 30, on va faire 6 fois au total, 7 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 30, on a 48 mailles serrées. Le rang 31, on va faire 6 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 31, on a 42 mailles serrées. Le rang 32, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 32, on a 36 mailles serrées. Le rang 33, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc j'ai déjà commencé à rembourrer, donc si vous voulez rembourrer aussi, vous pouvez. Donc j'ai dit rang 33, 4 mailles serrées, une diminution 6 fois. Donc à la fin du rang 33, il nous reste 30 mailles serrées. Et pour le dernier rang de diminution, le rang 34, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 34, il nous reste 24 mailles serrées. Donc là, on termine le travail en faisant notre maille coulée dans la première maille, hop là, du rang précédent. Voilà, donc on tire un petit peu, on coupe un petit peu de fil, mais pas trop. On gardera plus de fil du corps pour faire la couture. Voilà, donc là je vais rajouter encore un petit peu de rembourrage. Et la tête, on va la mettre de côté après. Donc ce petit bout de fil là, je le ramasse en même temps. Voilà, donc au besoin, on remettra de la ouate avant les coutures. Donc la tête est terminée, donc enfin la partie principale de la tête est terminée, donc là du coup on va passer au museau. Alors je range ça. Donc le museau, donc on reprend notre fil bleu, on va faire le cercle magique. Voilà, dans le cercle magique on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 4, 5 et 6. On resserre. Le rang 2, on va faire nos 6 augmentations. Donc une augmentation dans chacune des mailles qui se présentent. Donc on a nos 12 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille.
À la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. Voilà, donc à la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Ensuite, on va travailler tout droit sur nos 36 mailles serrées, donc pour les rangs 7, 8 et 9. Donc pendant 3 rangs, on ne fait plus d'augmentation, on travaille normalement sur nos 36 mailles serrées. Donc je vous laisse travailler du rang 7 au rang 9 et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc on a terminé le museau, donc on va faire une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Et là, on va couper une longueur suffisante pour la couture. On tire. Et avec le fil orange, on va venir broder les narines. Donc alors, on prend un petit peu d'orange, pas trop non plus, hein, pas besoin de beaucoup. Donc on va faire notre nœud au bout. Je vais faire deux nœuds. Voilà, donc on va prendre notre aiguille. Et nos narines, je vais pousser ça. Les narines, on va les broder sur les rangs 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça va être sur ces deux rangs-là. Donc là, rang 5, rang 6, donc on va juste au-dessus. Moi, je suis passée deux fois. Donc là, je repasse encore une fois. Alors du coup, par contre, je vais juste vérifier, je ne sais plus combien j'ai espacé. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sera sur la septième. D'accord? Donc on rentre et on ressort de l'autre côté. Voilà. Donc là, 6 et 5. On passe une première fois et une deuxième. Après, vous pouvez passer encore plus si vous voulez. Si vous voulez passer plusieurs fois encore, vous pouvez. Si vous voulez que ça donne beaucoup, beaucoup de relief, vous pouvez aussi. Et on rentre le fil. On bloque le fil. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir positionner le museau sur la tête. Donc, ce sera à partir du rang 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là. Donc on va mettre un petit peu de rembourrage. Et on positionne le museau. Épingler de l'autre côté.
Et je vais encore mettre une ici. Voilà. Donc une fois qu'on a épinglé notre museau, évidemment, on fait les coutures. Donc je vais vous laisser faire vos petites coutures tranquillement. Et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Et voilà, la couture est terminée. Je passe le fil à l'intérieur et je coupe le reste de fil. Voilà, donc oui, on a le chat qui est venu nous rendre visite, Tyler. Voilà, la tête, on va la mettre de côté. Maintenant, on va préparer les oreilles, on va préparer les cornes et on va préparer les paupières. D'accord? Comme ça, après, je vous montrerai comment tout installer. D'accord? Donc, je mets ça de côté, je reprends le fil bleu. Et là, on est parti pour les oreilles. Donc, j'en fais une avec vous, vous ferez la deuxième. Donc, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Le deuxième rang, on va faire les 6 augmentations. Donc, deux mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Hein. Donc, à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le troisième rang, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc, à la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Et pour le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Voilà, donc à la fin du rang 4, on a nos 24 mailles serrées. Donc là, on termine l'oreille en faisant une maille coulée dans la maille suivante. Donc, on coupe une petite longueur de fil. On tire. Donc là, du coup, le fil qu'on a de ce côté, on va le couper au ras. Voilà. Et là, on va plier. Donc, on va prendre notre aiguille. On va plier légèrement l'oreille. Donc, on la plie légèrement en deux. Voilà. Et on va venir faire quelques points de couture pour la tenir légèrement pliée. On va en faire deux ou trois. Hop. Et encore un petit point juste au-dessus. Voilà. Donc, on fait le petit nœud pour terminer le travail. On repasse le fil vers le bas. Voilà. Donc là, du coup, on a les deux oreilles. Donc, ces deux oreilles-là, on va les mettre de côté. Hop. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment faire les paupières. Donc là, c'est pareil, j'en fais une avec vous, vous ferez la deuxième seule. Donc les paupières, c'est tout simple. On va monter 5 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et tout simplement, on va venir faire des mailles serrées. Donc dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc une, 2, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc au total, ça nous fait 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, on refait dans cette maille-là, on va refaire une maille coulée pour arrêter le travail. Donc là, c'est pareil, on coupe une longueur de fil suffisante pour la couture. On tire le fil. Ce petit fil-là, où est-ce que j'ai mis mon aiguille? Ce petit fil-là, on va le rentrer à l'intérieur. Voilà. Hop. Comme ça, ce petit bout de fil est caché. On coupe le reste, on n'en aura pas besoin.
Voilà, donc du coup, on a les deux paupières. Donc ces deux paupières-là, on les met aussi de côté. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer comment faire les cornes. Alors, pour les cornes, donc on reprend notre fil bleu. On fait notre cercle magique. Dans notre cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. On resserre. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 4 fois au total 2 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille. Voilà, donc à la fin du rang 3, on a 16 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4 et 5, on travaille normalement sur nos 16 mailles serrées. Donc là, on ne fait plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc je vous laisse faire les rangs 4 et 5 et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, donc là on termine le rang 5, on a terminé la corne, donc on fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Une longueur de fil pour la couture, hop, voilà. Donc là maintenant on a fait toutes les petites parties de la tête, donc maintenant on va pouvoir les installer. Donc alors, on va commencer par prendre les paupières. Donc là, vous avez l'envers du travail. Vous avez l'envers du travail. Et là, vous avez l'endroit. Donc l'envers du travail, on va le mettre du côté intérieur. D'accord? Donc on positionne les paupières juste au-dessus des yeux. Donc on va installer la deuxième. Je vous remontre de plus près tout à l'heure, hein, pour que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc on les positionne vraiment juste au-dessus de l'œil. Donc ensuite, une fois qu'elles sont positionnées, on va les coudre. Donc j'enlève la première épingle. Et tout simplement, donc là, on va faire notre premier point de couture. Pour commencer déjà. Et ensuite, tout simplement, on va faire du maille à maille. Voilà, donc on prend ensuite la maille d'à côté et on passe juste en face. Donc je vous montre comment coudre la première paupière, vous allez faire la deuxième seule. Voilà, donc on enlève la deuxième épingle. Ce qu'il faut, c'est vraiment lui donner le petit air avec la couture, le petit air de la paupière qui tombe, quoi. Le petit côté un petit peu fatigué. Mais j'avais fait ça aussi sur le chien. Une petite paupière tombante comme ça. Voilà. Bon, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu le tuto du chien, je remonte comment faire la couture des paupières. Hop. Donc on coupe le reste de fil, évidemment. Et voilà. Donc une fois qu'on a cousu la première, on fait la couture de la deuxième. D'accord? Donc enfin, moi je la laisse pour le moment de côté, je finirai les coutures après. Donc là maintenant je vais vous montrer comment ou coudre les cornes. Donc les cornes, on va prendre un tout petit peu de rembourrage. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein.
là. Donc les cornes, on va les installer dans l'axe des yeux à partir du rang 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sera à partir d'ici. D'accord? Donc on prend la corne et on la positionne. Là, donc la deuxième. Donc pareil, on rembourre un petit peu. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, vous voyez, on positionne la deuxième corne de la même manière que la première. Voilà. Donc je ne vais pas vous expliquer comment faire la couture des cornes, vous savez déjà faire. Et donc, les oreilles, donc je vais prendre mes petites oreilles. Et les oreilles, on va les coudre de chaque côté de la tête. Donc juste à côté en fait de la corne, d'accord? Donc là ce qu'on va faire c'est que les coutures vont s'arrêter ici, donc on va laisser juste un rang d'écart, voilà, entre les deux. Et c'est pareil, on positionne nos oreilles de chaque côté. Là, donc la deuxième, c'est pareil. Juste à côté de la deuxième corne, on laisse juste un rang d'écart. Donc on la positionne sur le rang d'à côté. Voilà. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire toutes les coutures. D'accord? Donc je vous laisse faire les coutures tranquillement et on se retrouve juste après pour faire le corps. Donc alors maintenant, c'est parti pour le corps. Donc le corps, on va reprendre le fil bleu. On va faire le cercle magique. Donc alors le corps, je vais commencer avec vous. Et après, donc du coup, pour que la vidéo ne dure pas non plus trop longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup de travail sur ce modèle-là. Donc je vais commencer avec vous le corps et après je vais vous expliquer la manière de procéder parce que c'est exactement le même départ que la tête qu'on vient de faire. D'accord? Donc alors là on va faire, donc on a fait le cercle magique, le premier rang on fait nos 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on resserre. Donc ouais, je vais faire 3-4 rangs avec vous. Ensuite, le rang 2, on va faire nos 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Hein. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 2, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Voilà, donc à la fin du rang 4, on a donc les 24 mailles serrées. Donc là, je vais vous expliquer la manière de procéder. Donc jusqu'au rang 12. Donc je vous dis, c'est vraiment exactement la même manière que la tête qu'on vient de faire. D'accord? Donc là, alors, 1, 2, 3, 4. Donc alors, pour le rang 5, vous allez faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre une augmentation dans la quatrième. Vous aurez les 30 mailles serrées. Le rang 6, vous allez faire 6 fois à suivre 4 mailles serrées, une augmentation dans la cinquième maille. Vous allez avoir les 36 mailles serrées. Le rang 7, vous allez faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre une augmentation dans la sixième maille. Vous allez avoir 42 mailles serrées. Le rang 8, vous allez faire 6 fois au total 6 mailles serrées,
une augmentation dans la 7e maille, vous allez avoir les 48 mailles serrées. Le rang 9, vous allez faire 6 fois au total, 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 8e maille, vous aurez 54 mailles serrées. Le rang 10, vous allez faire 6 fois au total, 8 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 9e maille, vous allez avoir les 60 mailles serrées. Le rang 11, vous allez faire 6 fois au total, 9 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 10e maille, vous allez avoir les 66 mailles serrées. Et le rang 12, vous allez faire 6 fois au total, 10 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 11e maille. Donc là, vous aurez de nouveau les 72 mailles serrées. D'accord ? Donc si je fais ça, c'est que vraiment, bah du coup, comme on vient déjà de faire la tête ensemble, vous savez la manière de procéder, mais c'est vraiment aussi pour que la vidéo dure pas non plus 2 heures, quoi, parce qu'on a quand même pas mal de grosses pièces à faire. D'accord ? Donc je vous laisse travailler donc du rang 5 au rang 12 tranquillement, arriver jusqu'aux 72 mailles serrées, et on se retrouve juste après pour la suite du corps. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 12, donc on a bien nos 72 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 13, 14 et 15, on va travailler normalement sur nos 72 mailles serrées. On ne fait pas d'augmentation pendant 3 rangs. D'accord ? Donc je vous laisse travailler du rang 13 au rang 15 tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Donc voilà, on est arrivé à la fin du rang 15. Donc pour le rang 16, on va faire 3 fois au total, 22 mailles serrées à suivre, une diminution. Alors c'est pareil, là pour la suite du corps, je vais commencer avec vous et après je vous expliquerai la procédure à effectuer parce que ça va faire à peu près le même style, enfin ça va faire le même genre en fait que les doudous plats. Ce sera un rang de diminution, un rang normal, un rang de diminution, un rang normal, d'accord? Donc là je commence les premiers rangs de diminution et de rangs normaux avec vous et après je vous expliquerai comment effectuer la suite du corps. D'accord ? Donc là, pour le rang 16, on est parti pour 3 fois au total, 22 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 16, on a 69 mailles serrées. Donc le rang 17, on fait nos 69 mailles serrées normalement. Donc ce rang-là, pas de diminution. On travaille tout droit. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 17. Le rang 18, on va faire 3 fois au total, 21 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 18, on a 66 mailles serrées. Donc là, munissez-vous d'un papier et d'un crayon. Je vais vous expliquer la suite des explications du corps jusqu'au rang 39, parce que le reste, on verra ensemble. D'accord ? Donc là, on vient de terminer le rang 18, donc on a les 66 mailles serrées. Donc le rang 19, vous faites vos 66 mailles serrées normalement. Pour le rang 20, vous allez faire 3 fois au total 20 mailles serrées, une diminution. Vous allez avoir 63 mailles serrées. Donc le rang 21, vous faites les 63 mailles serrées normalement. Le rang 22, vous faites 3 fois au total 19 mailles serrées à suivre. Une diminution, vous allez avoir 60 mailles serrées. Le rang 23, vous faites les 60 mailles serrées normalement. Pour le rang 24, vous allez faire 3 fois au total 18 mailles serrées à suivre, une diminution. Vous allez avoir 57 mailles serrées. Donc le rang 25, vous faites les 57 mailles serrées normalement. Pour le rang 26, vous allez faire 3 fois au total 17 mailles serrées à suivre, une diminution. Vous allez avoir 54 mailles serrées. Le rang 27, vous faites vos 54 mailles serrées normalement. Pardon. Pour le rang 28, vous allez faire 3 fois au total 16 mailles serrées, une diminution. Vous allez avoir 51 mailles serrées. Le rang 29, vous faites les 51 mailles serrées normalement. Le rang 30, vous allez faire 3 fois au total 15 mailles serrées, une diminution. Vous allez avoir 48 mailles serrées. Donc le rang 31, vous faites les 48 mailles serrées normalement. Le rang 32, 3 fois au total, 14 mailles serrées à suivre, une diminution, on obtient 45 mailles serrées. Le rang 33, vous faites les 45 mailles serrées normalement. Pour le rang 34, vous allez faire 3 fois au total, 13 mailles serrées à suivre, une diminution, vous allez obtenir 42 mailles serrées. Le rang 35, vous faites les 42 mailles serrées normalement.
Pour le rang 36, vous allez faire 3 fois au total 12 mailles serrées à suivre une diminution. Vous allez obtenir 39 mailles serrées à la fin du rang. Le rang 37, vous allez faire vos 39 mailles serrées normalement. Pour le rang 38, vous allez faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre une diminution. Vous allez obtenir 36 mailles serrées à la fin du rang. Le rang 39, vous allez faire vos 36 mailles serrées normalement. D'accord? Donc, vous travaillez, comme je vous l'ai expliqué, donc du rang 19 au rang 39. Donc, à la fin du rang 39, vous aurez vos 36 mailles serrées. Vous vous arrêterez là et on se retrouvera justement ensuite pour le rang 40 pour terminer le corps ensemble. D'accord? Donc, je vous laisse faire tout ça tranquillement, travailler donc du rang 19 jusqu'au rang 39. Et on se retrouve pour le rang 40, la suite du corps. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 39. Donc, on a fait nos 36 mailles normalement. Donc, j'ai déjà commencé à rembourrer. Vous pouvez aussi rembourrir. Donc ensuite, pour le rang 40, on va faire 3 fois au total 10 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 40, il nous reste 33 mailles serrées. Le rang 41, on va faire 3 fois au total 9 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 41, on a 30 mailles serrées. Le rang 42, on va faire 3 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc, à la fin du rang 42, il nous reste 27 mailles serrées. Et pour le dernier rang de diminution, le rang 43, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 43, on a 24 mailles serrées et on termine le corps en faisant la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, on laisse une longueur de fil pour la couture. Hop. On termine notre rembourrage. On n'hésite pas à rembourrer bien ferme au niveau du cou, hein, pour que ça évite justement que la tête ballotte là un petit peu. Parce que des fois, le souci quand les têtes ballottent, c'est qu'il manque un petit peu de fermeté au niveau du rembourrage en haut du cou. D'accord? Voilà. Même limite, il faut que ça ressorte un petit peu comme ça. Quand on rajoute la tête, ça remet encore un petit peu dans la tête. D'accord? Donc alors, donc, on va assembler maintenant le corps et la tête. Balèze quand même, je vous ai pas fait un petit modèle là aujourd'hui. Hein. Alors, bon. Là. On va épingler de l'autre côté aussi. Et voilà, hop, une petite dernière. Et comme d'habitude, une fois que c'est épinglé, on n'a plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire la couture du corps sous la tête tranquillement. On se retrouve juste après pour la suite de notre petite bébête. Voilà, donc on a cousu le corps et la tête ensemble. Donc on va mettre ça de côté et on va faire le petit bidon orange. Ok, donc alors on prend le fil orange, donc je vais faire vraiment pas à pas parce qu'on va travailler en ovale sur tout le tour de la chaînette, d'accord? Donc alors on prend le fil orange et on va commencer par monter 12 mailles en l'air. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je prépare mon petit anneau. Donc, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, une, deux. Donc, à partir de cette deuxième maille en l'air, on va faire 10 mailles serrées. Alors, une. Je mets mon anneau.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je fais vraiment pas à pas parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément très à l'aise pour travailler tout autour de la chaînette. D'accord? Donc dans la dernière maille ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc là, les 3 mailles, c'était dans la même maille en l'air. D'accord? Donc ensuite, de l'autre côté de la chaînette, ici, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je bloque le fil en même temps derrière, 7, 8, 9, et dans la dernière maille, on va faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Donc là, à la fin du premier rang, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 2, dans la première maille, on va faire une augmentation. Donc, on met bien l'anneau dans la première maille. Donc là, on a fait notre augmentation. Ensuite, on va faire 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on va faire 3 augmentations à suivre. Première augmentation, dans la maille suivante, on refait une augmentation. Donc, deuxième augmentation et une dernière augmentation. Donc là, on a fait nos 3 augmentations à suivre. Donc, on va refaire 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on termine par 2 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. Si des fois vous trouvez que je vais encore trop vite, vous pouvez changer la vitesse de lecture en cliquant sur les 3 petits points en haut à droite de l'écran. D'accord? Ensuite, donc là on a 30 mailles serrées à la fin du deuxième rang. Pour le rang 3, dans la première maille, on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Ensuite, on refait nos 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, 3 fois. Au total, on va faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc, une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la maille suivante. Et une dernière fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on refait nos 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour terminer, on va faire 2 fois une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, on termine par une augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 36 mailles serrées.
Le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. Donc une, deux, une augmentation dans la troisième maille. 9 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois à suivre, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille. 1, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 1 maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Et une dernière fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on termine par 2 fois 2 mailles serrées à suivre, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation dans la dernière maille. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3 mailles à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. On repart pour nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois à suivre, on va faire 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour terminer, on va faire 2 fois 3 mailles serrées à suivre, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, une maille serrée dans la dernière maille. À la fin du rang 5, on a 48 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois au total, on va faire 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la cinquième maille. 1, 2, 3. 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Et pour terminer le rang, on va faire deux fois au total 4 mailles serrées à suivre une augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4 mailles serrées à suivre une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du rang 6, on a 54 mailles serrées. Le rang 7, on va faire nos 54 mailles serrées normalement. Donc là, on ne fait plus du tout d'augmentation. On travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc 54 mailles serrées au total. Donc je vous laisse faire le rang 7 tranquillement. On se retrouve juste après pour terminer. Et voilà, donc là, on a terminé le ventre. Donc on va faire une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Hop, on coupe une longueur suffisante pour la couture. Hop, on va faire comme ça. Et voilà. Donc là, on va installer cette partie-là sur le corps. Donc voilà, on va l'installer à partir du rang 12 sur le corps. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ce sera à partir d'ici. Hop, tout simplement, on le centre bien. Là. Hop. Et voilà. Donc maintenant qu'il est bien positionné, comme d'habitude, il ne nous reste plus qu'à faire la couture. Donc je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite. Donc alors maintenant on va passer aux bras. Alors pour les bras, donc on reprend le fil bleu et on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Donc alors comme d'habitude, j'en fais un avec vous, vous ferez le deuxième seul. Hein. Ensuite, pour le deuxième rang, on va faire nos 2 augmentations. Nos 6 augmentations, pardon, donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 8e maille. Voilà, donc à la fin du rang 5, on a 27 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 6 à 10, on va travailler normalement sur nos 27 mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse travailler sur les 5 rangs, donc du rang 6 au rang 10, et on se retrouve juste après pour la suite du bras. Donc on est à la fin du rang 10. Le rang 11, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 11, on a 24 mailles serrées. Le rang 12, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 12, on a 21 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 13 à 20, on va travailler normalement sur nos 21 mailles serrées. D'accord? Donc là, on ne fait plus du tout de diminution. On travaille normalement sur nos 21 mailles serrées. Donc je vous laisse travailler du rang 13 au rang 20 tranquillement. Vous rembourrez au fur et à mesure que le travail avance. Et on se retrouve juste après pour la suite du bras.
Donc on est arrivé à la fin du rang 20. Le rang 21, on va faire 3 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 21, on a 18 mailles serrées. Ensuite, des rangs 22 à 27, on va travailler normalement sur nos 18 mailles serrées. Donc plus de diminution, on travaille tout droit du rang 22 au rang 27. Donc je vous laisse travailler jusque là, on se retrouve pour terminer le bras ensemble. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 27 et le dernier rang, le rang 28, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc du coup à la fin du rang 28, il nous reste 12 mailles serrées. Et donc ensuite on va fermer le bras. Donc pour fermer le bras, on plie donc en deux comme ceci. On va piquer le crochet dans les deux épaisseurs, donc on pique dans la première maille. On va dans la maille juste en face, comme ceci, d'accord? Et on fait une maille serrée. La maille d'à côté, on va juste en face. Vous voyez, le crochet qui passe à travers les deux épaisseurs et on fait une maille serrée. Et on continue jusqu'à la fin du rang pour fermer le bras. Et la petite dernière. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé, on coupe une longueur de fil pour la couture. Yep, et on fait le petit nœud. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé les bras, on va pouvoir les coudre sur le corps. Donc du coup, on les met de chaque côté. Donc on va les installer sur l'avant dernier rang ici. On les coudra sur le dernier rang. D'accord? Donc on met de chaque côté. Par contre, vous n'oubliez pas, hein, quand on ferme les bras en pliant, en crochetant dans les deux épaisseurs, on ne rembourre pas trop ferme en haut du bras, hein, parce que sinon vous allez avoir un bras qui va rester comme ça et ça ne fera pas joli. D'accord? On installe le deuxième. Et voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire les coutures tranquillement. On se retrouve pour faire les jambes. Donc maintenant, c'est parti pour les jambes. Donc alors, les jambes, on va commencer par monter 9 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2. À partir de cette maille-là, on va faire 7 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la dernière maille ici, on va faire nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la dernière maille ici, juste ici, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille.
Voilà. Donc, à la fin du premier rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 2, on va commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc, 2 mailles serrées dans la première maille. Hein. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 3 augmentations à suivre. Première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. On va refaire nos 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va terminer par 2 augmentations. Première augmentation et dernière augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du deuxième rang, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 3 fois à suivre une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, on fait une maille serrée, on fait notre augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Et une dernière fois, on fait une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va terminer par 2 fois une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, on termine par une augmentation. Voilà, donc à la fin du troisième rang, on a 30 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. Une, deux, une augmentation dans la troisième maille. On repart pour nos 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 3 fois au total, on va faire 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc là, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Et une dernière fois, 1, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. On repart pour nos 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine par 2 fois 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, et on termine par l'augmentation. Donc à la fin du rang 4, on a 36 mailles serrées. Et pour le rang 5, le dernier rang d'augmentation, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, une augmentation dans la quatrième maille. On repart pour nos 6 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. 2, 3 mailles à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2,
3 mailles à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Une dernière fois. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la maille suivante. On repart pour nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine par 2 fois 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 3 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3 mailles serrées à suivre et une augmentation dans la dernière maille. Donc voilà, là c'était le rang 5, on a donc 42 mailles serrées. Donc ensuite pour les rangs 6, 7, 8, 9 et 10, on va travailler normalement sur nos 42 mailles serrées. Donc on ne fait plus du tout d'augmentation, on travaille tout droit. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 6 au rang 10 tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite de la jambe. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 10. Donc le rang 11, on va faire... Alors, j'enlève ça. On va faire 15 mailles serrées à suivre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, on va faire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine par 15 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 et 15. Donc là, à la fin du rang 11, on a 36 mailles serrées. Le rang 12, on va faire 12 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On repart pour 6 diminutions à suivre. Du coup, j'en profite là pour vous montrer, parce que c'est vrai que l'autre jour, j'ai eu un petit commentaire sur une personne qui avait des doutes au niveau des diminutions. Donc, savoir si c'était des diminutions invisibles ou des diminutions classiques. Donc, moi, il faut savoir que de toute façon, d'office, je fais toujours des diminutions invisibles. Donc, les diminutions invisibles, tout simplement, on passe... le crochet dans le brin avant de la première maille, dans le crochet, dans le brin avant de la maille suivante. Donc on fait le jeté, on passe le fil à travers les deux boucles. Donc là on a fait la deuxième diminution, je vous remontre. Brin avant, on fait le jeté, on passe à travers les deux boucles et on termine. Donc là on a fait trois diminutions. Brin avant, 4, brin avant, 5, 6. Ensuite, on termine par les 12 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
les 12. Donc à la fin du rang 12, on a 30 mailles serrées. Le rang 13, on va faire 3 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 13, il nous reste 27 mailles serrées. Le rang 14, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 14, il nous reste 24 mailles serrées. Ensuite, on va travailler... Pardon, excusez-moi. Ensuite, on va travailler du rang 15 au rang 30, tout droit. Donc, on va travailler sur nos 24 mailles serrées. Normalement, on ne fait plus du tout de diminution. Donc, je vous laisse travailler du rang 15 au rang 30 tranquillement. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance. Et on se retrouve juste après pour terminer la jambe. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 30. Donc le rang 31, on va faire 6 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc on continue toujours bien à rembourrer au fur et à mesure, parce que là, on termine par des rangs de diminution. Donc à la fin du rang 31, on a 18 mailles serrées. Le rang 32, on va faire 6 fois au total, 1 maille serrée, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 32, il nous reste 12 mailles serrées. Et pour le dernier rang, le rang 33, on fait nos 6 diminutions à suivre. 5 et 6. Et on termine le travail en faisant la maille coulée dans la maille suivante. Donc on coupe un petit peu de fil. Hop. On tire et on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, on resserre, on fait le petit nœud pour arrêter le travail, voilà, et on passe le fil dans l'ouvrage. Et voilà, donc on coupe le reste de fil. Donc la deuxième chambre, évidemment, vous la faites à l'identique, d'accord? Donc alors, on va positionner les jambes sur notre petit dragon. Donc en fait, on le met bien debout. Oh là, je trouvais plus mon mot. On le met debout. Alors du coup, je vais juste caler... Comment je vais faire? Je vais caler ses bras sur la tête pour pas qu'il nous gêne. En général, d'habitude, je préfère faire les jambes, les installer et finir par les bras. C'est plus simple, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, on met bien notre dino, enfin notre dragon debout, comme ça. Donc, je vais vous montrer mieux. Donc, on positionne la jambe de la main, enfin, là où on veut la positionner. Donc, du coup, hop, pour qu'il tienne bien assis. Voilà. Je vous montre pour faire la, enfin, moi, de la manière cousue fixe. Mais vous pouvez tout aussi bien faire une couture articulée, hein. C'est pas un souci. Mais c'est vrai que moi sur mon modèle, je l'ai fait en couture fixe pour qu'il reste tout le temps en version assise. Hop, donc on épingle la jambe. Voilà, donc on va l'épingler à peu près jusqu'au milieu. Voilà, donc je vous montre comment faire la couture de la première jambe et la deuxième jambe, vous la ferez seule. Donc pour la deuxième jambe, hein, vous mettrez votre deuxième jambe en face de l'autre au final et vous la positionnerez de la même manière, vous l'épinglerez de la même manière, d'accord? Décidément, je commence à avoir un petit chat dans la gorge, je suis désolée. Alors, donc je vais couper ce petit bout de nœud là qui était dans le truc, donc on va faire... le petit nœud. Je coupe le petit bout de fil en trop. Parce que le nœud, on va
le faire passer dans le corps. D'accord. Voilà, bah dis donc. Donc, pour la couture, donc en fait, on va faire une couture juste ici, en fait, tout le demi-cercle au final, hein, d'accord? Donc alors, on va déjà rentrer notre nœud. On va le passer par là. Voilà. Donc là, le petit nœud, il est rentré dans la ouate, donc du coup, c'est bon. Donc on enlève la première épingle et tout simplement, on va faire comme on fait les coutures invisibles. D'accord? Et on va sur le corps. Youp. Donc là, vous avez bien compris, on travaille tout le long là où on... jusque là où on a mis nos épingles, d'accord? Donc déjà, je vais vous laisser travailler jusqu'ici tranquillement. Et donc, je vais vous retrouver juste après pour vous montrer, pour faire l'intérieur de la cuisse, d'accord? Parce que si on... enfin, après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si on ne fait pas la couture à l'intérieur donc de la cuisse, ça va faire une jambe qui baille au final. Donc, ça ne fait pas très, très joli. Enfin, moi, perso, j'aime pas trop. Donc, du coup, je vous montrerai pour faire la couture à l'intérieur de la cuisse, d'accord? Donc, je vous laisse... allez, jusqu'à la moitié de la jambe et on se retrouve juste après. Donc voilà, là je suis arrivée donc à peu près au milieu de la couture que je souhaitais faire. Donc hop, je repère dans la jambe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, parce que si on ne fait pas les coutures, vous voyez ici, ça baille. Donc ça ne fait pas très très joli. Donc alors, on pique. Donc là, j'ai repiqué dans ma jambe. Donc on va piquer sur le corps, mais au lieu de piquer donc vraiment juste au ras de la jambe, on va piquer un petit peu plus haut sur le corps. Ensuite, on va repiquer sur la jambe. Si ça s'écarte un peu, c'est pas grave. Au fur et à mesure, on va le retendre. D'accord? Donc ensuite, au lieu de piquer là où on a commencé à piquer sur notre jambe, donc c'est pareil, là on a fait un peu en avant sur le corps, donc du coup on va refaire un petit peu en avant, donc sur le rang d'après, on va piquer sur la jambe, d'accord? Donc au lieu de piquer ici, on a piqué ici. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne ça, donc on va repiquer encore en avant sur le corps. Encore sur le rang d'avant, là du coup on avait piqué là, donc on repique ici sur la jambe. Et là donc du coup c'est pas trop mal au niveau de la couture, donc ce qu'on fait c'est qu'on continue là où on piquait, où on vient de piquer au final, d'accord? Donc une fois sur le corps, une fois sur la jambe. J'essaye de montrer au mieux pour ces coutures-là. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. On va piquer sur le corps. Et sur la jambe. Après, je vous dis, hein, si vous voulez le faire en version articulée, vous pouvez très bien le faire aussi en version articulée. C'est pas un souci. C'est vrai que moi, quand j'avais créé ce modèle, bah, je l'ai créé il y a déjà quelques années, hein, en fait, au final. Donc, du coup... je l'avais déjà fait en version assis fixe au final, donc du coup je l'ai refait de la même manière. Et voilà, donc on termine la couture de la jambe. Et la deuxième jambe, vous allez la coudre de la même manière. D'accord? Donc vous la positionnez, vous l'épinglez et vous faites les coutures de la même manière que vous avez fait la couture de celle-ci. D'accord? Donc je vous laisse faire la couture de la deuxième jambe et on se retrouve pour la dernière grosse pièce, la queue, et après on terminera par les petites écailles. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour la dernière grosse pièce, donc on va faire la queue. Donc alors pour la queue, on reprend donc le fil bleu et on va faire notre cercle magique.
Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Là. Ensuite, pour le deuxième rang, on va faire deux fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du deuxième rang, on a 8 mailles serrées. Pour les rangs 3, 4 et 5, on va travailler normalement sur nos 8 mailles serrées. Donc pendant 3 rangs, on ne fait pas d'augmentation. Donc je vous laisse travailler jusqu'au rang 5 et on se retrouve juste après. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 5. Le rang 6, on va faire 4 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du rang 6, on a 12 mailles serrées. Le rang 7, on va faire nos 12 mailles serrées normalement. Donc on ne fait pas d'augmentation. Voilà, donc ensuite, pour le rang 8, on va faire 4 mailles serrées à suivre. Donc une... deux, trois, quatre. On va faire quatre augmentations à suivre. Donc une augmentation dans chacune des prochaines quatre mailles. Donc une augmentation, deux, troisième augmentation et quatrième augmentation. Et on termine par les quatre mailles serrées qui restent. Une, deux, 3, 4. Donc à la fin du rang 8, on a 16 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 9, 10 et 11, on travaille sur nos 16 mailles serrées normalement. Donc on ne fait plus d'augmentation. Donc je vous laisse travailler du rang 9 au rang 11 et on se retrouve pour la suite de la queue. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 11. Donc si des fois vous voulez commencer à rembourrer, vous pouvez. D'accord? Donc ensuite... pour le rang 12, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire 4 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc on fait ça 4 fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Troisième fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Et dernière fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Et on termine par les quatre mailles serrées restantes. Une, deux, trois, quatre. Donc à la fin du rang 12, on a 20 mailles serrées. Pour les rangs 13, 14 et 15, on travaille normalement sur nos 20 mailles serrées. Donc je vous laisse travailler sur ces trois rangs là et on se retrouve pour la suite. Donc on est arrivé à la fin du rang 15. Le rang 16, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire 4 fois à suivre 2 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille. Donc 2 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille. 1, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, ça fait 2 fois. 1, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc ça fait 3. 1, 2 à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, ça fait 4 fois au total. Et on termine par nos 4 mailles serrées à suivre. 2, 3 et 4. Donc, à la fin du rang 16, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 17 et 18, on va faire nos 24 mailles serrées normalement. Donc je vous laisse travailler jusqu'au rang 18 et on se retrouve juste après pour la suite. Donc là on est arrivé à la fin du rang 18. Donc le rang 19, on va faire 4 mailles serrées à suivre.
1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire 4 fois à suivre, 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3 mailles à suivre, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante, donc là ça fait 2 fois, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante, et une dernière fois, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on termine par nos 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Donc à la fin du rang 19, on a 28 mailles serrées. Le rang 20, on fait nos 28 mailles serrées normalement. Ensuite, pour le rang 21, on va faire nos 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4. On va faire 4 fois à suivre, donc 4 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante, et je vais accrocher mon autre morceau de fil parce que l'autre s'était cassé. Hop, excusez-moi. Voilà, hop, et donc pour la dernière fois, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on termine par nos 4 mailles serrées du rang. 1, 2, 3 et 4. Donc à la fin du rang 21, on a 32 mailles serrées. Le rang 22, on fait nos 32 mailles serrées normalement. Mais vous commencez à bien rembourrer au fur et à mesure, hein, que le travail avance, d'accord? Donc je vous laisse faire le rang 22. Ensuite, pour le rang 23, on va faire nos 4 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire 4 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, ça fait 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, et une augmentation dans la maille suivante. Et on termine par nos 4 mailles serrées du rang. 1, 2, 3 et 4. Donc à la fin du rang 23, on a 36 mailles serrées. Le rang 24, on va faire nos 36 mailles serrées normalement. Ensuite, pour le rang 25, là, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 6e maille. Donc à la fin du rang 25, on a 42 mailles serrées. Le rang 26, on fait nos 42 mailles serrées normalement. Plus d'augmentation.
Ensuite, pour le rang 27, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 7e maille. Donc à la fin du rang 27, on a 48 mailles serrées. Et pour le dernier rang de la queue, on va faire le rang 28. On fait nos 48 mailles serrées. Normalement, on ne fait pas d'augmentation. Donc vous faites les 48 mailles serrées. Une fois que vous avez terminé le rang, vous faites une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Vous laissez une longueur suffisante pour la couture. D'accord? Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà, hop, la maille coulée, et hop, mon ciseau, donc voilà, youp. Alors je vais terminer le rembourrage. Et on va l'installer à l'arrière du corps. Donc on récupère notre petit pépère là. Donc là en fait, on a la petite partie bombée là. Donc c'est ce qui va sur le dessus. D'accord? Donc on met comme ça. Ensuite tout simplement, on assoit notre petit bonhomme devant nous. Et tout simplement, on épingle. Hop. On tient le bon bout. Hein. Après, il ne nous restera plus que les écailles à faire. Mais c'est vrai qu'au final, c'est un modèle qui est quand même assez balèze. Hein. Je vais vous faire votre téléfilm du dimanche soir, moi, avec ce tuto là. Hop. Encore quelques-unes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois épinglé. D'accord? Donc c'est épinglé, donc il ne reste plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire la petite couture tranquillement et on se retrouve pour terminer le dragon avec nos écailles. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti pour terminer notre dragon. Donc du coup, là, on va faire les écailles. Donc j'en fais une avec vous. Vous allez devoir en faire 7 au total. D'accord? Donc alors, moi, je fais celle-ci avec vous. Donc on prend le fil orange et on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on resserre. Le rang 2, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Le rang 2, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 4, on a 15 mailles serrées et le dernier rang, le rang 5, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. Voilà, donc à la fin du rang 5, on a les 18 mailles serrées. Donc on termine le travail en faisant la maille coulée dans la première maille du rang précédent et on coupe suffisamment de fil pour la couture et on resserre. Voilà, donc ça y est, on a crocheté toutes les parties de notre dragon. Donc ça, vous en faites encore 6, puisqu'il vous en faut 7 au total, d'accord? Donc là, du coup, je vais vous expliquer comment j'ai installé les écailles, en fait, donc du coup, de la queue jusqu'à la tête, d'accord? Donc alors, on va reprendre monsieur.
Donc la première, alors je vais juste prendre mes autres écailles. Voilà. Donc alors la première écaille, donc on va la coudre à partir du rang 4. En partant de la queue. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc ce sera sur ce rang-là. Donc on la positionne. On ne les rembourre pas les écailles. Enfin, moi, je ne les ai pas rembourrées. Si vous voulez les rembourrer, vous pouvez les rembourrer. Après, je vous montre aussi là où moi, je les ai installées, pardon. Mais vous pouvez les installer de la manière que vous voulez. D'accord? Donc ensuite, la deuxième. À partir du rang 18. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc la deuxième, ce sera à partir d'ici. Donc pareil, on la positionne. Donc là, la troisième, on va la placer sur le corps. Donc là, on va compter sur le rang 24 du corps. Donc on reprend par en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc pareil, hop, 24, on la centre par rapport aux autres. Et hop, on l'installe. Voilà. Ensuite, 36 et 43 du corps, donc là on était à 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, donc ce sera ici. Donc juste en dessous, du coup la tête, la couture va se faire vraiment à la limite de la couture du corps et de la tête. Voilà. Ensuite, on va coudre les écailles sur la tête. Donc alors, 18, pardon. On part d'en haut de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Après, c'est plus ou moins, c'est pas non plus chipoté. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on va même mettre 13 parce qu'après ça va faire trop d'écart quand même. 13. Ce qu'il faut en fait, c'est que l'espacement des écailles soit plus ou moins correct, quoi. Vous n'avez pas non plus un grand écart et un tout petit écart, quoi. Hein? C'est pour ça que je dis c'est pas non plus au millimètre, quoi. Voilà, et donc après, premier rang, donc on positionne l'écaille au milieu. Donc en fait, la première écaille, on va dire, sur la tête, se positionne vraiment entre les oreilles. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et ben maintenant, il ne reste plus qu'à faire les coutures des écailles. D'accord? Donc, on va faire ça tranquillement. Je vous laisse faire ça de votre côté. Je vous retrouve juste après pour terminer le tuto. Et voilà, je termine la couture de ma dernière écaille. Yep. Et voilà. Oh, je suis trop contente, il est terminé. Là, c'était vraiment du boulot. Hein. Donc, j'espère que ce tuto du dragon vous aura plu. Et moi, je vous dis à très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.